Voilà, on en termine avec notre super week-end Star Wars X-Wing. Ça fait longtemps. Ouais, pas se tromper, hein, parce que on a les mots qui sortent un peu facilement. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas proposé. Et là, on va vous présenter la canonnière droïde. Est-ce qu'elles sont en double langue? Non, la canonnière droïde PML. Allez, lâchez un petit pouce. C'est parti. C'est parti. On y va. Allez, dernière présentation du week-end avec cette très belle canonnière des droïdes. Je commence la vidéo pour vous dire que à la fin de la vidéo, on vous parle de cette boîte à gagner qui est la bataille épique, qui est notamment la possibilité de jouer en escadron, hein, tous ensemble avec des groupes. Donc il y a les gabarits, il y a les règles, il y a plein de choses qui sont contenues dans cette petite boîte. Et nous, on a décidé de vous l'offrir à la fin de ce week-end X-Wing sur la page Pyro, parce que ça nous fait plaisir. Et puis parce que, malgré qu'on n'en parle pas assez souvent, on adore X-Wing et on a l'intention d'en parler de façon plus régulière. Allez, c'est parti. On revient à la fin de la vidéo pour vous donner les modalités. Mais à mon avis, va au moins un minimum falloir être abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment. Allez, la petite canonnière droïde, elle est super belle. Ah ouais, moi j'aime bien. Hein? Petit scarabée, très 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 fin, plein de détails, avec son regard très très sévère, avec plein de canons dans tous les sens. Elle est vraiment vraiment très 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 bien réussie et très bien peinte aussi. Ouais. Après, c'est vrai que dans la V2, on est plutôt gâté. Mais là, je dois avouer qu'elle est vraiment, vraiment choupinette. Voilà. Et elle va moins l'être quand on va se la prendre dans la gueule, j'imagine. On regarde les caractéristiques de la plateforme. On va avoir un 2 en attaque, mais sur un arc à 180 degrés avant. Rare. Oui, il n'y a que 3 vaisseaux au total qui l'ont. Ah ben voilà. Ouais. C'est la troisième. Ouais. C'est la troisième. Au niveau défense, on est à 1. Un peu léger quand même. Ouais, bah c'est un fer à repasser. Ouais, là, est-ce que c'est vraiment un fer à repasser? C'est quand même un droïde, quoi. Je sais pas, elle aurait pu être un petit peu plus véloce, pour utiliser le terme dans les bons sens. Voilà, moi je suis un peu déçu de ce petit 1. Par contre, 5 en coque et puis 3 en bouclier, on rattrape quand même la chose avec donc du coup un petit 8 pour blaster le truc. Je te laisse parler de la barre verticale. Classiquement, les barres d'action, calcul, normal, droïde. Ouais, on reste constant dans ça. Mm-hmm. Elle a le ciblage. Ouais. Ça veut dire qu'elle va pouvoir balancer du missile. En même temps, c'est un peu importera ça. Voilà. Elle va pouvoir faire un tonneau en rouge. Bon, ça peut sortir des emmerdes, ça. Au moins, ça peut sortir. Voilà. Ouais, ouais. Et elle, quand même, elle peut sortir des emmerdes. Mais toi, tu y restes grâce à son angle de 180. Ça peut être sympa. Oui, parce qu'en fait, ça va juste la décaler. Et donc, du coup, elle va pouvoir sortir de ton arc de tir. Voilà. Et toi, tu vas y rester. Voilà. Ouais. Et un rechargement plus calcul en rouge. Comme ça, ça permet, dans la défense, que quand on recharge, il ne faut pas oublier qu'on prend un jeton où on ne peut pas attaquer. D'accord, ok. Donc, ça sera juste pour la défense. Bon, vu qu'elle a 1 en défense... On optimise... On optimise l'action, en fait. Sa chance de défendre. Ah, oui, d'accord. Et tous les châssis ont le droit aussi à viser interconnecté. Qui va permettre... Donc, vous ne pouvez pas dépenser vos verrouillages pour relancer des dés d'attaque. Donc ça, c'est plutôt négatif. Et tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque inférieur ou égal au nombre de verrouillages alliés sur le défenseur. J'ai rien compris. Donc... Quand tu verrouilles un adversaire, tu vas pas pouvoir utiliser ce verrouillage pour relancer les dés. Bah ça sert à rien de verrouiller, à part de pouvoir lancer des missiles. Voilà, quoi. Bon. Mais tu vas pouvoir utiliser les verrouillages de tes petits copains sans les dépenser pour relancer les dés. Bon, c'est shit. Donc, par contre, faut utiliser, je pense, le
cette canonnière que dans des listes où en fait bah, tu vas utiliser du missile à, à tarlarigot. Ouais, ouais, parce que si tu es obligé de... Oui. Si tu es dépendant de tes potes pour cibler, ça va être galère. Ça va être la galère. Par contre, effectivement, si tu es en mode missile, et Dieu sait qu'elle est en bombe à contusion, ça compte aussi. Non, ça ne demande pas de... Non, c'est que les missiles. Hein. D'accord, ok. Donc voilà, il faut se garder, elle, plus des droïdes... Chasseurs droïdes classiques ou des Yena, quoi. D'accord, ouais. On était en initiative 1. On s'étonnera d'avoir une deuxième initiative 1. Voilà, mais nommée. DGS 047, toujours des noms simples. Donc il va lui aussi avoir la visée interconnectée. Donc voilà. On ne reviendra pas sur la visée interconnectée, vous l'avez compris. Mais il va nous rajouter... Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur est dans votre un arc de tir classique, vous pouvez le verrouiller. Puis, si le défenseur est dans votre bullseye, il gagne un marqueur de contrainte. Donc, il faut voir la différence de points entre les deux. Ouais. Mais si la différence de points n'est pas énorme, vaut mieux celui-là parce que pour un ou deux points, que son pouvoir, il est net. Je bénéficie de mon super arc parce que de toute façon, je l'ai c'est utile. Avec cette carte, tac, j'ai une deuxième condition pour un arc classique. Voilà. Et puis, poum, j'ai une troisième condition pour un arc bullseye, quoi. D'accord, pas mal. Donc c'est toujours. C'est qui se coule, quoi. D'accord. Bon, faut voir la différence de prix, effectivement, mais si elle est minime, le premier sert à rien. Le prédateur séparatiste, lui, c'est exactement comme le chasseur non nommé, sauf qu'il a initiative 3. Bon, voilà. Faudra voir la différence de prix pour voir si c'est. Ils sont pas fait chier, hein. Après, faut voir la. T'es fatigué, la différence de. D'initiative. Après, on a un prototype géonosien avec deux points à côté. Ça veut dire qu'on peut en aligner deux. Voilà. Et je conseille d'ailleurs, pour faire, on va dire, un petit combo, d'aligner deux. D'accord. Ces deux-là, parce que lui, c'est un peu galère. C'est tant que vous effectuez une attaque de missile ou de canon, vous pouvez retirer un marqueur de rayon tracteur du défenseur pour relancer jusqu'à deux dés d'attaque. Alors, vous pouvez relancer des dés d'attaque, mais il faut un rayon tracteur. Ouais. Donc, ça t'oblige, en fait, à ce que tu as un autre vaisseau que toi tire sur ta cible avec un rayon tracteur. Ouais, qu'est-ce qu'on a en rayon tracteur On a les canons, donc, que elle peut porter, par exemple. Ah oui. Donc, tu prends il en faut une deuxième, ouais. Voilà. Ouais, donc, tu prends deux prototypes géonosiens. Tous les deux, tu les équipes d'un canon rayon tracteur. Tu choisis le meilleur des deux dans son angle. Il tire, il fait le rayon tracteur. Et le deuxième prototype géonosien, bah, il va dépenser le jeton rayon tracteur pour... J'ai compris. Après, c'est vraiment un duo, quoi. Alors, c'est un duo qui va se voir sur la table. Et puis, le mec, il va dire, je t'en négocie une. Et puis, c'est réglé, c'est fini, tu rentres. Voilà. Après, il faut voir aussi si les points qu'écoutent, parce que si c'est trop cher... C'est quand même vachement prise de tête d'utiliser une de tes prototypes avec ton rayon tracteur qui va diminuer la défense de l'autre pour attaquer avec l'autre. Enfin bon, voilà, c'est... Bon, c'est casse-gueule, hein. Ouais, c'est à test. C'est pas ultra optimisé, faut voir le coût de la... En tout cas, je dis un truc qui n'a aucun intérêt, mais les infographies sur les cartes sont très belles. C'est les plus belles qu'on a vues ce week-end. En termes de points, j'ai l'impression, j'ai comparé un peu avec le reste. Kevin, le senteur de points. Voilà, je me dis entre 30 et 40 points. Quoi. Ah ouais, d'accord, ok. En termes de stats, ça ressemble à la canonnière que tu adores des Chiwi, là. Elle est moche, c'est laid. Donc elle a un peu ces stats-là, et aussi avec une barre qui correspond plus ou moins. Vous savez pourquoi je perds à X-Wing? Parce que moi, je joue des vaisseaux que je trouve beaux, donc forcément, du coup, je perds. Non, mais par contre, si c'est gouré sur les points que valent les troupes, dans les commentaires, vous le défoncez, il adore ça. Je me dis, voilà, je me lance un peu dans le pronostic. Non, allez, vas-y. Un tiercé. Ouais, comme ça. Après, on a l'oppresseur. Dondéron, ouais. Après, donc, lui, c'est après avoir exécuté un tonneau ou un dérapage, si vous êtes stressé, gagnez un marqueur de calcul. Voilà. Bah, pareil, c'est net, c'est bien. C'est facile à comprendre, là, tu vois, ça, c'est plus pour moi. Tu fais un tonneau, de toute façon, il est rouge grâce à ça, tu vas quand même réussir à faire un calcul. Et on va voir aussi le dérapage, qu'est-ce que c'est après. Et ça aussi, on peut faire donc un dérapage qui nous stresse, donc on va pouvoir avoir un jeton de calcul. D'accord, on regarde DGS 286 avant, puis après on dérape
Bah, on va déraper. Hein. Allez, promis. Faire un drift. Un drift. Dans Rallyman. Bon, on va parler de DGS 256. J'adore 286. Les noms. 286. Ouais, c'est 256, c'est son frère. Ouais, oui, c'est une grande famille. on a oublié de parler de l'initiative. L'initiative 3, c'est la meilleure qu'on peut avoir sur ce châssis. Il y avait celui d'avant ? Oui, aussi, oui. Enfin, le Max, c'est 3. Ouais, d'accord. C'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est pas transcendant, ouais. Ouais. Pas, tu sens que c'est pas elles qui vont. Ils vont s'en manger plein la tête avant de pouvoir. Ouais, c'est ça le problème. Est-ce qu'elles seront encore en vie au moment où vous allez vouloir les jouer? Ça peut être un problème, quoi. Alors, avant de vous engager, vous pouvez choisir un autre vaisseau allié à portée 0-1. Ce vaisseau vous transfère un marqueur de calcul. Mais ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bah, ça va de toute façon en totale synergie avec tous les autres droïdes. Voilà. Les autres droïdes n'arrêtent pas de se donner des calculs. Ça ressemble comme ça, quoi. Des calculs, ouais. Elle est nulle cette blague. Non, mais ça ressemble finalement un petit peu aussi à Star Wars Legion avec ce je te refile le commandement, quoi. Voilà. C'est du cascading. Voilà, ils sont toujours dans cette optique-là de. Bah, c'est un seul et même cerveau, en fait, D'accord, comme dans Star Trek. Voilà. Tu voulais nous parler d'un petit schnuch-schnutz de mouvement. Oui, parce que ce vaisseau, on va aussi avoir le droit à une modification. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est automatique dans le vaisseau ou si ça sera payé à part. Ouais. J'espère pas, quand même. D'accord. Ce sont les stabilisateurs répulseurs. Inactif ou actif? Et actif. Ouais, je te fais de la place, vas-y. Donc, mise en place à équiper avec cette face visible. Donc, c'est diminuer la difficulté de vos manœuvres en ligne droite. Ça, déjà, c'est plutôt bien. C'est bien. Ça permet. On en a parlé du dial? On n'a pas parlé du dial. Ah, ben oui, on n'a pas tiens. Parlé du dial. Ah, bon, on va parler un tout petit peu du dial avant. Parlons, excusez-nous, on n'a pas parlé du dial. Cerveau. Ouais, du coup, ouais, effectivement. Waouh, y a. Tac, et de rouge, quoi. Voilà, c'est un peu son gros problème. C'est qu'en fait, il a pas mal de mouvements possibles, mais un gros paquet, c'est des rouges. Mmh. Il va jusqu'à 5, quand même. Voilà, il peut aller jusqu'à 5, voilà. Et il peut aussi se stabiliser. C'est un grand classique, là, dans cette vague. Dans cette vague-là, ouais. Cette vague, ils peuvent tous se stabiliser. Et il a 4 capacités bleues. Une à vitesse 1 tout droit, vitesse 2 tout droit, vitesse à angle droit, vitesse 2, quoi. C'est tout. Waouh ! Effectivement, il va vraiment falloir le reposer au niveau vitesse pour qu'il récupère. Voilà. Quoi. Grâce à ça, justement, tes lignes droites, vitesse 3 se transforme en bleu. Et vitesse 4 et 5 se transforme en blanche. Voilà, bon, ça va. Ça compense un peu. C'est la carte obligatoire, en fait, le stabilisateur de répulseur. Oui, alors voilà, la question, c'est est-ce que c'est obligatoire? Et combien ça coûte, si ça coûte? Bah, ça me paraît obligatoire vu le dial qu'il y a. Ouais, ouais. Après, c'est voilà combien ça va coûter, quoi. D'accord. Et quand on la retourne, vas-y, donc après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez, on n'est pas obligé, retourner cette carte. Donc, quand on retourne cette carte, là, on passe en actif. Et là, ça va nous permettre de faire des dérapages. Des drifts. En fait, c'est plus X-Wing, c'est Fast and Furious, on dérape. Des drifts. Bienvenue à Tokyo. Après avoir révélé une manœuvre de virage sur l'aile ou de virage serré, vous devez. Il y en a quand même un bon paquet. Il y a un bon paquet, ouais. Même la totalité des virages possibles, quoi, pratiquement. Pas les 1, ni les 4 et 5. Bon, 4 et 5, normal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc 2, 3. Vous devez effectuer cette manœuvre comme un dérapage, puis retourner cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dérapage? Ah, bah oui, je veux voir ça. Allez, vas-y, dérape, mon Guigui. Alors, on prend cette figue. C'est un aile de tonon, des trucs comme ça, non? C'est un peu un mix comme ça. En fait, on va prendre donc un virage serré sur le côté. Vas-y, on met au milieu. Et en fait, on va le déplacer comme ça. D'accord. Ouais, pareil de l'autre côté. Ouais. Alors, attention, on ne peut pas faire en arrière. C'est toujours en avant. D'accord, ok. Comme ça ou comme ça. Voilà. Donc c'est soit l'arc très à 90 degrés, soit le smooth. Quoi. Et okay. Aussi bien à 3 qu'à 2. Donc en fait, on a un arc de mouvement quand même qui est plutôt sympa. Ouais.
En plus, il ne faut pas oublier que lui, il tire à 180. C'est ce que j'allais dire. Tu gardes de toute façon ta cible. Parce qu'en fait, tu vas lui... Hop là, tu vas le sortir, quoi. Et tu vas te sortir des emmerdes. D'accord, donc on a quand même un dial qui est un peu capillotracté, mais on a ce stabilisateur qui te permet de virevolter autour du truc, quoi. Ouais, c'est génial. C'est le premier vaisseau qui sait faire ça. Ouais. Et d'après le créateur du jeu, ça sera peut-être le seul vaisseau qui pourra faire ça. C'est pas dit qu'ils le refont pour d'autres vaisseaux. D'accord. C'est vraiment... Comment tu sais des choses pareilles? Je regarde d'autres vaisseaux, d'autres vidéos, d'autres personnes. Je te trompe, en fait. Déjà, il y a Toto qui part sur d'autres chaînes. Enfin, bon, ouais. Vous avez vu ce que je suis obligé de subir? On est méchants. Vous êtes méchants. Ok. Et puis, à la fin, si je veux la retourner dans l'autre sens, je la retourne après dans l'autre sens. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre non-dérapage, vous pouvez retourner cette carte. Mm-hmm. Alors, le petit souci, c'est que c'est vrai que le dérapage, c'est sympa. Mm-hmm. Mais c'est aussi téléphoné. Quoi. Ouais. Mais vu la dose de virage que tu peux faire... Ça compte. Donc c'est téléphoné contre moi, ça marchait. Hein. En tournoi, on va pouvoir arriver de loin. Mais l'un dans l'autre, ça va. C'est pas. Faut voir son coût. Moi, j'espère que ça va coûter zéro. Mm-hmm. J'avoue. Parce que ça donne des possibilités, mais c'est pas non plus flamboyant. Quoi. C'est comme un peu les ailes repliables des X-Wings. C'est gratuit. Ah, il faudrait que ce soit gratuit pour vraiment être totalement. Je pense que ça va être gratos ou peut-être un point histoire de, mais je pense. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le petit truc spécial de ce vaisseau, c'est pouvoir donc déraper. Ok. Qu'est-ce que tu as autre chose à nous montrer donc? Maintenant, on va passer aux cartes. Vas-y. On n'a pas énormément par contre de cartes. Très bien. Par rapport aux autres. Et on va commencer donc. Kalani. C'est un droïde. Séparatiste solitaire. C'est pourquoi solitaire? Solitaire, en fait, tu ne peux mettre qu'un seul type de ces droïdes-là dans ton escadron. D'accord. Il y en a plusieurs. Tu as Kraken, KZB4 et TA-175. Mais dis donc. Heureusement que tu as une petite... putain, il a bossé. Et malheureusement, Kalani, on va pas se le cacher. Moi, je le trouve, comparé aux autres... Totalement... On peut le mettre à la poubelle. Ok, d'accord. Ça, c'est fait. On en parle quand même ou... On va en parler quand même, mais moi j'avoue, j'ai pas tellement trouvé par rapport aux autres son petit truc. Charge 3 avec 3 petites flèches quand même. Ah oui, il va toujours recharger. Lui, il décharge, il s'en fout. Décharge. Top, pour l'instant, c'est bien. Il donne... Ouais. Il donne le calcul à un vaisseau qui ne l'avait pas. Voilà. Par exemple, au site infiltrator. Voilà. Et après, c'est après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre... S'il est dans le bullseye d'un vaisseau allié à portée 0-3, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ce vaisseau allié verrouille ce vaisseau ennemi, puis gagne un marqueur de stress. Ouais. Voilà, donc il faut qu'il soit dans le bullseye. D'un vaisseau allié. Voilà, tu le verrouilles, mais tu marques le problème, c'est que tu gagnes un marqueur de stress. Quoi. C'est quand même méga chiant. Ouais, je comprends. Alors... De lui-même, là, il peut être sympa quand même. Mais en fait, c'est en comparatif des autres. Les autres, quand même, malheureusement, lui passe largement devant. Quoi. Donc, c'est dommage. Donc, hormis, sauf s'il coûte vraiment que dalle. Sinon, je le trouve malheureusement beaucoup plus faible par rapport aux autres. D'accord. Ok. Next. Une qu'on a déjà parlé hier. Mm-hmm. Ah oui. Voilà. On en reparle quand même, la nacelle multimissile, voilà, dont on a dit qu'elle était quand même bien... Qui tire à 180. Moi, j'ai envie de dire, allez voir la vidéo d'hier. Voilà, pour en savoir un peu plus, mais moi, je l'aime bien, je trouve que c'est un bon missile. De toute façon, hier, on avait dit que même sur ce vaisseau-là, elle s'imposerait. Mm. On a dit que, voilà, il y avait vraiment moyen de péter un tir de malade. Et vas-y, on la relie quand même, parce qu'on va être sympa avec les gens. C'est une attaque, donc calcul ou visée. On dépense une charge. Si le défenseur est dans votre arc de tir classique, vous pouvez dépenser une charge supplémentaire pour lancer un dé supplémentaire, donc on passe à 3. Et si le défenseur est dans le bullseye, vous pouvez dépenser 2 charges pour lancer jusqu'à 2 dés supplémentaires. Voilà, c'est sympa. Voilà. Passons à la suite. La bombe à confusion. Ça concuse. Charge 3. Alors ça, on en a 2. Ok. Ah, il y a un petit chenubudu. Ok. Un petit jeu. D'accord. Vas-y, je laisse lire. Donc c'est un truc qu'on largue à l'arrière du vaisseau, du coup. Voilà.
C'est une bombe, donc utilisable par tous les poseurs de bombes, donc aussi bien les bombardiers TIE que les autres. Hein, ça c'est pratique. Donc là, cette bombe qui a 3 charges, donc pendant la phase de système, classique pour les bombes, si n'importe quelle charge de cette carte est inactive, donc retournée, vous devez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. En gros, une fois que tu as commencé à larguer les bombes, ces bombes-là, à chaque tour, pendant au total 3 tours, tu vas lancer toutes tes bombes. Quoi. D'accord. Faut que tu les lâches. Quoi. D'accord. Voilà. Ouais. T'as envoyé la purée, tu continues. Tu te retiens pas. Envoie la purée. Non, t'envoies la purée. Donc, c'est bien et pas bien. Parce qu'une fois que. Après, je vais taguer moins de 18 ans. Donc, c'est un problème quand même. Parce qu'une fois que t'as balancé, tu peux plus t'arrêter. Donc, ouais, c'est ça. Aussi bien. Tu peux mettre ça aussi bien dans la tête à tes potes, ce qui est quand même gênant. Ça, oui, c'est vrai, genre oui. T'en fous partout, quoi. T'en fous partout. C'est ça qui est problématique, c'est vraiment dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Et donc, une fois que tu l'as lancé... Ah non, pardon. Donc, si possible. Okay. sinon, vous pouvez dépenser une charge pour marquer une bombe à concussion. D'accord. Une fois que tu as commencé, donc tu la balances. Mmh. Et qu'est-ce qu'est fait cette charge ? Vas-y, raconte-moi tout, fais-moi rêver. Donc à la fin de la phase d'activation, comme toutes les bombes, elle explose. Ce qui permet à toutes les portées 0 ou 1, je me permets de... Vas-y, lire le... Bah oui, attends, voilà. On n'est pas des, bibliothèques non plus. Portée 0 ou 1 de tous les autres vaisseaux ou de tous les engins distants aussi, ça peut affecter les engins distants. Vous attribuez une carte de dégâts face cachée. Net, cache. Voilà. Bon. Puis, chaque vaisseau à portée 0-1 doit exposer une carte de dégâts. Sauf s'il gagne un marqueur de contrainte. Ouais. Donc voilà, c'est encore un choix de ton adversaire. C'est marrant, tiens, ça c'est des nouveautés de laisser choisir le mec d'en face. Soit sa carte de dégâts qui vient de se choper, ouais. Donc qui a passé, faut pas oublier qu'elle passe le bouclier, ce qui n'est pas négligeable. Eh ben, soit il la retourne, soit il se tape un marqueur de contrainte qui va l'handicaper pour le prochain tour. Donc c'est une bombe qui peut... Pareil, il faut voir son coup, mais ça peut être sympa. Quoi. Le truc le plus handicapant, c'est qu'une fois que tu en as lâché une, il faut que tu lâches toutes les larguer. Ouais. Mais ça va péter à tout va, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est plutôt une bombe que je préconise pour les bombardiers TIE, par exemple. Ouais. Parce qu'eux, ils peuvent avoir le choix de comment ils la larguent. Et de vous mettre aussi un personnage qui permet aussi de changer un peu l'orientation avec la poussant un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir un peu disséminer toutes tes bombes qui vont péter. À quel moment du jeu tu te sers d'un truc comme ça ? Ça, c'est à la phase de système. Donc non, mais à quel tour, dans ton avis ? En début de partie, en milieu de partie, fin de partie ? Quand c'est la grosse mêlée. Quand c'est la grosse mêlée, ça finit toujours en gros pâté, votre jeu. Là. Tout à coup, là, justement, c'est avec des bombes comme ça, ça va calmer pété, les gens. Ça va être fini. Ouais. Très bien. Donc ça peut être sympa. Et ça, c'est ma petite carte préférée, je dirais. La dernière ? Ouais. Ok. Donc c'est un double canon, il faut une double place, donc je pense que la canonnière va y avoir le droit. Ouais. Mais il a aussi tous les IG-88 des racailles qui peuvent l'avoir. T'as pas regardé là, dans les slots La canonnière, c'est sûr. Et elle, elle est surtout pour optimiser le tir, en fait, elle est très pratique pour les droïdes, parce qu'elle est tir à 3, portée 2-3, mais attention, les bonus de portée s'appliquent, parce qu'elle n'a pas le petit missile. Ok. Donc si on est à portée 3, ton adversaire pourrait avoir un dé supplémentaire de défense. D'accord. Mais en attaque, si vous êtes calculateur, donc que dans votre barre d'action vous avez calcul, le défenseur n'applique pas le bonus de portée. D'accord. Donc pour tous les chasseurs droïdes et pour IG-88, surtout le B. Parce que pour rappel, le IG-88B, quand il rate une attaque, il peut faire une deuxième attaque gratuite de canon. D'accord. Donc IG, tu lui fais sa petite attaque à portée 3 par exemple. T'espères que ton adversaire il va utiliser ses jetons de concentration, ça le bouffe, t'as raté. Tu fais ton attaque canon avec laser synchronisé et lui il n'a pas le bonus, tu vois. Ouais. Ah, elle est sympa. Faut voir le coup, mais ça et la bombe et le missile, en fait, tu vois, ça c'est bien. Trois. Tu vas jouer séparatiste quand on va faire la partie. Ouais, pour tester, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aime bien les. Normalement, j'ai de quoi faire.
Vraiment, c'est de quoi faire. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, pour ton temps accordé à cette nouvelle vague de X-Wing. J'espère qu'on refera des vidéos de ce même acabit. C'est le grand retour de X-Wing sur la page. Je peux vous dire que Kevin me tâne pas mal pour que ça revienne. Et puis, ben, moi, je suis content parce que ça commence à me plaire beaucoup, ce qui sort. Voilà, ça correspond un peu plus à mes attentes. Donc, on acte ce week-end le grand retour de X-Wing sur la page Pierrot. Le jeu est loin d'être mort vu qu'ils ont déjà prévu une future vague. Oui. Donc... on vous en parlera aussi. Une belle vie, je pense. Et pour fêter ce grand retour, je l'avais promis en début de week-end, en milieu de week-end et donc en fin de week-end, on va vous faire gagner cette boîte de la bataille épique, qui est une extension multijoueur et qui permet notamment de jouer avec plusieurs... de toute façon, on a fait une vidéo, je vais la mettre en lien par ici. On a fait une vidéo qui unbox cette boîte. On n'avait pas eu le temps de faire la partie, parce que c'est vrai qu'on avait été pris par plein d'autres projets. Et promis, on la fera, mais aujourd'hui, on vous fait gagner cette boîte. Bon, bah, on va être très, très simple. Je vais vous demander de vous abonner, parce que ça me paraît cohérent. Ouais. Les likes, tout ça, je ne peux pas vérifier, parce que quand vous likez ou unlikez, on ne voit pas qui c'est. Par contre, je vais vous demander de me dire que vous voulez la gagner. Hein, parce que je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un qui est abonné puis qui ne joue pas au X-Wing ou qui n'est pas intéressé. Étant donné qu'on est déjà plus de 4500 sur la page, ça fait du monde si je tire au sort. Donc vous me mettez en commentaire de sous cette vidéo-là, et uniquement sous cette vidéo-là, pour pas que je sois obligé d'aller vous chercher dans tous les sens, que vous m'exprimez votre envie d'avoir cette boîte. Et puis j'ai quand même envie de poser une petite question, mais à partir du moment où le premier aura répondu, tout le monde va copier la réponse. Je vais poser une petite question, et puis il faudra donner la réponse dans votre commentaire. Cette canonnière, le design de cette canonnière, il est dérivé d'un hélicoptère qui existe vraiment. Je veux le nom de l'hélicoptère. Bonne question. Tu sais ou pas? J'ai une petite idée. Ouais. Est-ce que je donne un... Étant donné que tout le monde va trouver, je vais donner une toute petite avancée. C'est un hélicoptère soviétique. Voilà, c'est tout, j'en dis pas plus. Donc cette canonnière, elle est inspirée d'un hélicoptère qui existe vraiment. Et en plus, dans votre commentaire, vous me donnez la réponse. Et comme ça, je comprendrai que vous voulez participer à ce concours. Je ferai le tirage au sort. On est le 16. Allez, on fait le tirage au sort pour le 1er octobre. 1er octobre, on fait le tirage au sort. On décide, ce sera sans aucun doute Calliope qui tirera dans les bonnes réponses au hasard. Et on vous enverra cette très belle boîte de X-Wing. N'oubliez pas de vous abonner. Je vérifierai, petit mou. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Merci à toi. À très vite, autour d'une table avec des étoiles, de l'espace, des dés et puis des vaisseaux qui bumpent. Merci à tous, on vous souhaite de bons jeux et puis aussi de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Bon jeu à tous. Ciao, les pilotes.